Bon réveil, bon réveil, bon réveil, bon réveil. Bon réveil, surtout au battant. Voilà, surtout au battant. Et bon réveil à Kounagouro. Peut-être que, voilà, après une nuit blanche, hein, il aura cette force-là de s'occuper de ses entreprises. Voilà. Donc, je fais un big up à tous mes décomés, mes fidèles, mes détracteurs les plus assidus, mes détracteurs qui veulent même ma descente. Je vous ai déjà dit, Missigui, Missigui. Voilà. Et bon début de semaine pour ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Kounagouro, ça c'est mon annonce. Parce qu'à midi, je vais te prendre et le soir, je te prends. Parce que ça commence à bien faire sur cette toile-là. OK? Voilà, cette expression que moi, il y a souvent en Côte d'Ivoire, est-ce que tu sais qui je suis? Donc, Kounagouro, tu as démontré hier que tu étais un minable personnage. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, et je continue à dire, vos trucs là, là où vous étiez, n'est-ce pas? Si c'est le RMC, si c'est le RMC, parce que je n'ai pas eu l'habitude de trop prononcer ça. Voilà, je sais qu'il y a une radio ici là, hein, le RMC. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il y a une catégorie de personnes, voilà, surtout des jeunes qui étaient dans ce mouvement-là. Au jour d'aujourd'hui, hein, c'est pas le cerveau, hein, c'est plus, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Observez très bien tous ces jeunes qui étaient à la basse, voilà, qui sont allés à la basse. Ce n'est pas pour le changement du peuple camerounais, c'était pour leurs propres intérêts. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardez très bien, ils sont là sur la toile. Hein. J'en ai accueilli un ici. Vous voyez, c'est le même comportement que les Kounagouro. Quand ils arrivent dans les territoires des gens, hein, ils veulent sissias. Ça veut dire, ça veut pousser hein, les gens à accepter ce que eux, ce qui sort de leur bave. Ils sont nombreux là. Hein. Voilà. Ils sont nombreux, hein? Il y a un que j'ai mis dans la lumière ici. Voilà, il était au noir. Même dans ce mouvement-là, personne ne connaissait. OK? J'ai pris, j'ai nettoyé. OK? J'ai introduit dans le Fujibération. Regardez, c'est le même état d'esprit. Le même état d'esprit. Kounagouro a dit, tant que tu ne nous manques pas, tu sais ce que j'avais fait à Fleur de Lille? Jusqu'au jour, hein? C'est venu, bac! L'entreprise de Fleur de Lys. Nous avons tout vu. Fleur de Lys, hein, toi, Kounagouro, tu vas nous sortir, hein, c'est-à-dire les noms de tes entreprises, parce que pour que tu sois crédible, tu seras crédible là-bas, là, chez Fleur de Lys. Est-ce que tu comprends? Et jamais, quand même, là où tu passes, tu vas raquer les murs. Mais chez nous, ici, tant que je suis là, tu ne seras pas crédible. Montre-nous là où sont situées tes entreprises. Tu comprends? Regarde, moi, je m'en vais chercher mon pain. Hein? J'ai pas honte de dire que je suis manœuvre, ministre des travaux difficiles. Est-ce que tu comprends? C'est ça aussi ma valeur. OK? Et c'est pour ça que je peux me permettre de vous mettre au soyo. Vous qui venez seulement aboyer sans manquer. Kounagouro, tu vas nous dire là où sont situées tes entreprises. Parce que ça commence à bien faire. Chez nous, les Camerounais, il y en a qui ont besoin du travail. Chez nous, les Camerounais, tu peux aussi prendre au noir. Hein. Si les Watt prennent déjà les gens au noir qui n'ont pas de papier, tu comprends? Donc, Kounagouro, tu peux nous aider. Tu comprends? Nous avons beaucoup là sur la toile qui cherchent. Kounagouro, tes entreprises font dans quoi? Et c'est basé où? Tu comprends? C'est basé où? Faut arrêter ça. Hein. OK? Vous croyez que je ne sais pas ce qu'on vous avait donné là-bas là, dans votre mouvement? Hein? On dit souvent que oui, on injectait sur les militaires. Qu'est-ce qu'on vous a donné dans votre mouvement qui vous permet, n'est-ce pas, d'aller de direct en direct, menacer les gens? Tu crois que tu es, mais Karuna, je te prends à midi. Tu vas nous dire là où sont situées tes entreprises. Tu comprends? Nous avons besoin du travail. OK? Apparemment, on ne souffre pas. On ne souffre pas là-bas, là. Parce que moi, je souffre. Hein. Je fais pas la ferraille tous les jours. Moi-même, j'en ai marre. OK? Tes entreprises, c'est quoi? C'est virtuel?
Hein? C'est quoi? On dit que tu as des pressings. Hein? On lave les vêtements là où? Ça se lave où? C'est situé où? Tu es de pays en pays, pays en pays. Je continue à dire. Ce n'est pas moi qui dis. C'est sur YouTube. La femme que tu as à la maison là, les trucs que tu fais sur les mimbas là, c'est un autre homme. Voilà, c'est un autre homme. Ce n'est pas moi qui dis. Ne viens pas me dire que oui, de comment Mouroutou raconte des conneries. Ça veut dire, je connais votre qualité là, les Tchomnanga. Ok? Qui que n'avait des footballeurs. Ok? Les résidus des footballeurs, Bemanik Babou, vous récupérez toujours, vous devenez comme des Mongols. Kouna Gouré, regarde, tu fais ton direct. Yeah. J'avais pitié de toi. J'avais pitié de toi. Tu as commencé à manger la bouche comme Bassio. Les papiers de Longchamp. Vous là. Regarde comment. Hein? Tu t'es comporté hier. Tu as pris ta tasse. Va voir les abeilles. Les abeilles te framponnent. J'ai pris ta gamelle. J'ai déposé sur ma page. Pac! Ok? Voilà comment un manœuvre parle à un milliardaire. C'est ça. L'humiliation de ça. L'humiliation de ça. Tu vas encore dire quoi? Hein? Tu vas dire, tu peux faire le direct là, c'est pour quel but, c'était pour quel but. Regarde comment tu étais malheureux. Kouna Gouré, regarde comment tu étais malheureux. Moi, je te dis alors, parce que toi, tu ne te voyais pas. Tu dis que les cigares, hein, Kouna Gouré, quand nous on frapperait les cigares, écoute-moi que bien, je vais ressortir mes toffes. Vous qui dites que oui, de comment Mougou, hein, il ne se valorise pas, hein, il ne fait pas de photos. Mais j'en suis essentiel. Ils vont finir de faire les photos. Vous allez aller liker. Mais là où ils seront coincés, moi je vais passer. Et c'est là où je vous dirai toujours, hein, c'est la fin qui justifie les moyens. Ok? Je ne suis pas un lèche-tote. Ok? Que oui. Imagine qu'un camp, tu raques les murs là-bas. Là. Ton public, tu avais combien de personnes? Hein? Tu viens dire que oui, la lionne, si tu veux les vues, je te donne les vues. Tu avais combien de personnes? Au bout de Beltara, tu venais de chier. Tu venais de chier. Tu crois que qui allait venir te regarder? Regarde comment tu étais malheureux. Tu osais dire que oui, pour toi c'est toujours l'argent. Ta mère ne travaille pas, ceci, cela. Tes enfants, si demain, ils sont des personnalités au Cameroun. Ils parlaient d'abord français. Hein? Nous n'avons pas besoin, je ne sais pas, des Espagnols. Ils parlaient d'abord français pour aller être des gars monsieur au Cameroun. Kouna Gouré, il faut soit nous laisser le topo là. Tu comprends? Je vous avais dit, vous les riches là, ok? Vous, surtout vous qui ramenez vos baves là, hein? Nous manquons de respect. Nous les enfants des coups communes. Oui, moi je suis un enfant des coups communes. Papa n'est essentiel. Ah oui, oui, oui. Tu comprends? Wakukoro Kounya Kounya, j'ai dit langa que tu as chez toi là. Si je mens, voilà. Si je mens, est-ce que je mens Kouna Gouré? C'est un autre homme qui baille le matoche. Hein? Si ce n'était pas les abeilles qui venaient te sauver sur ce problème-là, tu allais disparaître. C'est un autre homme qui baille. Ouais. Et je t'avais dit, comme tu ne fais que dire que oui, les hommes sont des PD, les Samuels sont des PD, Kouna Gouré, tu comprends? On t'avait courbé. Oui, oui. Et tu ne veux pas dire la vérité. Tu ne veux pas dire la vérité. Benga courbé, wa. Wa, wa, wa. Benga courbé, wa. Quand tu es Tchomnanga, Benga courbé, wa. Tu vas nous montrer là où sont situées tes entreprises. Pas le Congo, ça que tu fais là sur la toile avec tes commentaires là. Hein? Je te vois, j'imagine à quelqu'un. Oui, je donne du travail. 1350 euros le mois. C'est où? C'est quel travail? On m'avait dit que c'est le pressing, c'est basé où? Vu que tu vagues de partout, tu es viré de partout. Tes enfants, un bobana Flancy, un bobana Luxembourg, un bobana Espagne, maintenant, hein? Hier, pourquoi tu as fait dans le petit coin noir? Quand on te sent parler avec les enfants, on sent que la femme là te fouette à la maison. À nous, ama. Les hommes sont battus, je ne vous manque pas plus que les femmes. Quand je te vois, parce que les enfants étaient en train de dire quelque chose, ou tu devenais rien nerveux,
Kuna Kuro, voilà donc alors. Hein? Et savez-vous comme cela que M. Kamto allait prendre le pouvoir? Les a, Anoma, toi là, enlève le nom à femme, tu as dit que tu t'es libéré de tout. Tu t'es libéré de tout parce que c'est le vous comme ça là, le Kuna Kuro. Voilà, l'ancien perroquet, le même état d'esprit. Ça veut dire, quand vous parlez aux gens, ok, c'est comme si c'était de la merde. Il faut qu'il y a ce qui sort de vos baves. Tu avais dit que tu te libères de tout esprit, spirituel ou si c'est quoi, ne porte plus le nom à femme, n'utilisez plus mes concepts, on vous avait donné quoi là-bas, là, dans ce mouvement-là, vous êtes tous pareils, tous, la majorité, Kuna Kuro, même quand tu es le mouvement Djaé, on a beau belle visibilité et à nous, Ama. La lionne, hein, si tu veux la visibilité, te donne quelle visibilité? Hein? Selena et Ayana Nuilang, Selena. Ayana Nuilang, Selena, Ayana Nuilang. Selena, tu es super fan, c'est de comment Mougu, je vais te prouver qu'en, j'en ai rien à foutre. Ayana Nuilang. Tout simplement. Ouais. Ça veut dire, vous qui suivez le vent, ok, vous qui suivez le vent, je dis toujours, chez moi, il y a toujours un refoulé. Et ce refoulé-là, en graine, d'autres refoulés que moi, je n'ai même pas un problème avec. Même celle qu'on dit que c'est la victime, si vous partez poser la question, elle va vous dire la vérité que hein, c'est partout et Bonga qui est formé de Komamougou. J'ai parlé déjà avec Afam Afam. C'est ça. Sinon, à chaque fois que je veux voir, même si vous êtes à la fenêtre, mais Nwanga Yann, propre, Selena Ayana Nuilang, parce que j'ai lu tes commentaires, j'ai lu tes commentaires, hein? Comment vous pouvez, tu peux dire que oui, tu n'es plus ici, mais tu es là, Selena, hein? C'est quoi, c'est quel mensonge? Et c'est comme ça, ça s'était passé avec les autres refoulés, hein? Mais n'oubliez pas que c'est toujours le même femme à femme qui vous engraine, tu comprends? Qui vous engraine, alors que moi, aucun problème avec vous, ok, c'est comme les panthères du jour et autres, ok, ça veut dire, et après vous allez venir dans mon inbox, oui, de comment Mougou, franchement, hein, j'ai compris que j'avais suivi le vent, je continue à vous dire, vous qui parlez avec la soi-disant victime, allez demander, ok, que de comment, je vous ai montré, de comment Mougou était au courant quand, voilà, et pourquoi l'ancien perroquet, lui-même, quand il avait été au courant, parce qu'il dit qu'il a protégé, hein, il a protégé Dangelo Black, lui-même il dit, pourquoi quand il protégeait, il n'était pas venu me dire. Donc, je vous dis, j'ai mené un combat ici, contre la basse, là où Menga bombe le bois, propre, si vous ne me connaissez pas, Selena, j'étais celui, ici, tous ces gens-là, les grains chapus, tous ces mondes-là venaient prendre la visibilité chez moi. C'est parce qu'on me muselle. Je suis à ma sixième église. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Je dis, vous allez suivre. Il va toujours engrainer. Regardez comment ça se passe, hein. Même votre dire de l'autre jour. Allez encore suivre les interventions, hein. Ça serait aussi comme ailleurs. Vous allez vous framponner là-bas, là, framponner. Et je vous vois un peu de partout, là, dire que oui, hein, je ne suis plus dans cette église de satanique, là. Mais toi, tu es là, Selena, et à Yanilang. Ouais, je suis comme ça, propre. Ok? Dites à votre perroquet que, mon ancien perroquet, que il a dit qu'il s'est libéré de tout lien, qu'il enlève à femme. Sinon, mon odeur, ok, mon odeur à chaque fois qu'il va l'ouvrir, ok, voilà, ce n'est pas ce que Frédéric avait dit que Kalamongo, c'est là où vous allez comprendre la puissance de Dokomamou, ok, nous ne sommes pas venus sur terre pareil, allez demander au perroquet, il va vous dire, s'il m'a jamais traité de, c'est pas voyant, si c'est quoi? Allez demander, moi quand je parle,
Oui, 60% de chances que c'est que moi, ce qui est sorti de la commode. Oui, oui, oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi, l'ancien perroquet, tu as dit que tu t'es libéré de tout lien, de si c'est mal et fille et tout, 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 tout. À femme, c'est moi. Laisse aussi de prononcer framponner, à la baba zigli, et ben ceci. Et là, tu seras vraiment libre parce que toi, tu es refoulé à vie. À vie. Kounagouro venait encore de vous trahir. Oui, Kounagouro venait encore de vous trahir. Cet état d'esprit-là. Parce que les calibres, tous ces gens-là, hein, il fallait voir l'état d'esprit de tous ces gars qui étaient à la base. Voilà. Vous voilà. Kounagouro. Hein, si tu veux la visibilité, je vais te donner. Et je vois vous qui marquez les commentaires que oui, hein, voilà, la lionne est en danger, la lionne est en danger, il suffit que Kounagouro fasse ça. Il faut faire. Le commentaire était capturé, tac, il faut faire. Hein, que quelque chose est en peu d'arriver, hein, à la lionne. Le commentaire est là. Ah ouais? Ou alors, comme on dit que lui ne peut plus aller au Cameroun, hein? Toujours en que les saints justifiés avec des mandibules, comme un vieux faire repasser des Allemands. Hein? C'est ça, Kounagouro, c'est ça. Avez-vous comme ça, là? Hein? Pour changer le, attends, le Cameroun. Les pleureuses comme ça, là. Les pleureuses. Tu prends une bouteille de mouette. Il faut voir, même le contraste. J'ai même compris que toi, tu mets aussi beaucoup de filtres. Savez-vous comme ça, des têtes vides? Voilà les abeilles qui te posent la question. Tu as les docteurs qui disent que tu as un dem. Du caméra dit que tu as un dem. Tout le monde dit que tu as un dem. Effectivement, tu as un dem. Et c'est pour ça que je suis monté pour te mettre Kimbang. Pap! Et Sadja. Sadja. Oh! Mon ancien perroquet. Bientôt, le buzz là, ça va finir. Va un peu regarder ton actualité. Tes deux directs phares. Même là où ma faux vient te parler comme un enfant. Tu sais que bien, ça ne peut pas venir parler comme ça là, à l'église. Mais que quand elle, oh, et tu le sais, c'est pour ça qu'elle a peur. Elle vient seulement ici, dit, bonne année, pasteur supérieur. Voilà, pasteur supérieur, hein, ton église, ja, ja. Après tout ce qu'elle raconte là, j'en ai rien à foutre. Si elle ne me respectait pas, elle ne s'agenouait pas devant ma mère. Je dis très bien, agenouée. Ah oui, à genoux. Est-ce que tu comprends? Si elle me détestait, il faut que tu mettes ça dans ton crâne. Et tu osais dire que oui, tu as déjà vu Fleur de Lille. Tu as vu Fleur de Lille où? Hein? C'est toi, c'est moi qui te dis comment Fleur de Lille est. Hein? On te pose la question, tu m'as vu en vrai. Hein? Tu mangeais la bouche. Et tu dis que j'entends partout que oui, c'est toi qui faisais mon église. Attends, si mon église n'était rien, tu allais venir ici, jouer à la récup, avoir un nom, n'importe quoi. J'ai dit, vous les gens de la base là, je vais appeler le patron de ce mouvement là, de vous conseiller d'aller chez les psychologues. Ouais, vous avez le même état d'esprit. Ok? Et toi, le petit écaillé de poisson là, tu comprends? Faut dire la vérité aux gens. Tu comprends? Faut dire la vérité aux gens. Ok? Ce que tu fais là, c'est de la jalousie. Parce que ce que tu dis dans tes directs, tu oublies. Oui, Dangereux Blague est venu pour prendre ma place. Ça veut dire ça, c'est un combat. Vous étiez des jumeaux, hein? Je n'étais jamais avec vous. Vous étiez comme ça. Je n'étais jamais là. Et toutes ces filles, bandes de filles là, les Tatiana Mimbang, les Panthères du Zoo, les ceci, cela, je n'ai jamais été au courant. Tu comprends? Donc toi, à femme, tu comprends? Jusqu'au jour où tu vas lever ça pour te débarrasser vraiment de mon esprit. Parce que à femme, tu as dit tu t'es libéré de tout. À femme, tant que tu porteras toujours ce nom-là. Hein? La lionne, big up, big up, big up, big up. Hein? Sabine, big up, big up. Génie Junior, big up, big up. Tu comprends?
apprends à dire la vérité. Tu comprends? Les premiers refoulés. Tu ne m'avais rien dit. Je suis quitté. Si j'ai fait un discours, la femme va rester, voilà, entretenir l'église. J'étais encore en exil au Maroc. Tu avais ya tout gâté ici. Cristal Bekombo, l'aide de la chef. Je vous dis, mes gens, je vais vous dire un petit combo ça. Est-ce que vous savez souvent, il y a une catégorie de femmes qui ont été agressées par des personnes, par des agresseurs. Et ces agresseurs-là en prison, et l'anga, ces gars-là, ces victimes-là, tombent amoureuses de leur violeur. Vous le savez ça? C'est ce que moi je vois là. Allez un peu, ne restez pas seulement sur Facebook. Tu comprends? Il y a des histoires. Il dit, ça veut dire les agresseurs. Tu comprends? On les envoie en prison. Et leur victime tombe amoureuse. Hawaï, elle part prendre les grossesses en prison. Vous le savez? C'est ce qui se passe avec l'ancien perroquet. Toutes les victimes de l'ancien perroquet. Voilà. Regardez. Vous voulez qu'elles disent quoi? C'est le même état d'esprit. C'est-à-dire des femmes qui tombent amoureuses, de leur gourou. Vous vous rendez compte? Et après, vous allez toujours venir dire, à femme, c'est moi qui conjugue. Tu es venu me prouver, j'ai conjugué la femme. J'ai protégé la femme. Tu es venu me prouver, voilà. J'ai poussé les gens à aller travailler, à passer. Tu n'as rien ramené. Ça veut dire, ce qui sort de ma bave, c'est ce que tu répètes à ta façon. N'oublie pas ça. Voilà. Va voir, tu as deux directs. Là où ma fouette et le jour tu disais que tu répondais. Tu comprends? Tu vas voir le nombre de vues, et tu verras même ta coupure, là où ma fouette est venue te faire mal. Moi j'ai coupé, va voir le nombre de vues. Toi aussi tu as coupé, va voir. Et tu manipules les gens. Je te dis, mon esprit sera toujours en toi parce que là où du camel dit à femme, il n'y avait que ça. Toi tu as coupé jusqu'à... Tu dis, quand l'église te framponne, tu sens derrière ta tête. Tu mets seulement là où c'est à femme. Mais tu coupes pour manipuler les gens. Comme si c'est à toi que du camer. Tu comprends, non? Je veux remettre donc alors l'intégralité. Et c'est là tu vas comprendre que, voilà, on s'adresse au pasteur supérieur. Quand il te touche, tu sens derrière ta tête. Tu comprends? Va voir tes deux directs et tu verras tes deux sorties, mes deux sorties. Tu resteras toujours derrière comme des fesses. Ça va, Gary? Comme ça va? Ça va bien. Ça a été les vacances? Ouais. Beaucoup, forcément. Ah ouais, tu resteras toujours mon odeur. Faut dire la vérité aux gens. Pour moi, j'ai dit, si j'ai sorti cette histoire, parce que la façon que tu t'es comporté sur le coup de fil du pasteur, tu me menaces, tu me dis, tu vas à Serge Anango, va prendre ça du camin. J'ai dit, bon, comme vous faites ça là au noir, il faut que la vérité sorte, il faut que tout le monde sache. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'une minorité de Facebook, il y a ça au noir. Je suis intelligent. Tu comprends? Tu ne m'avais rien dit quand tu dis que tu es en train de protéger dangereux blague. Moi, tu sais très bien, la vérité finit toujours par triompher. Tu comprends? Regarde tes deux sorties là. Ma fouille est venue. Tu as combien de vues? Elle s'est foutue de ta gueule. Elle a compris que oui, tu battais l'aile. Soleil ne parle pas, c'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant. Moi, je suis comme ça. Quand tu me manques de respect, je te donne d'abord ta dose. Voilà. Donc, à midi, Bounagourou.